BR2M, The Kerry. Quand j'écris ça, je l'ai écrit avec le cœur. Et là, je casse quoi? Dédicace à toi, The Big Burger. Je te parle de The Kerry, un mec carré à principe. Il a cœur pour la famille, bref faut que je t'explique. L'historique, un vrai de quartier, demande la jolie. Un mec de test qui fait rire, il en fait son hobby. Maintenant 2000 ans c'est la folie. Il arrive sur YouTube, fuck encore l'année avant du shit. Où tu es les thugs, ref, il va perdre dans ce jeu. Il a bien compris, son avenir plutôt à lui faire rire. Le people à mourir, frère au début c'est la galère. Y'a peu de matos, man et pas de pesos. Il gère avec les moyens du port, passionné de Call of. Son style à lui péter du zombie, sans pitié l'ami, Kalashnikov change de vie rempli. Il s'améliore de fou, il a gagné le record mondial. Il a toujours les paroles sages pour tous ceux qui déraillent. Il a une communauté nombreuse, Jawa je te félicite pour de longues années. Heureuse Nero pour toi je prie. DK789, DK78 bluff, DK c'est la teuf, DK fume les keufs, DK789, DK78 bluff, DK c'est la teuf, DK fume les keufs. Même si j'ai le coup de plume, je ne perds pas mes ailes. Toi t'as trop de thunes, t'es même pas à l'aise. J'kick tout pour tes cas, tu connais bien la famille. En bouffant les burgers dans ton écran, c'est la famine. J'kick devant l'écran, j'ai les idéaux calmes. Je pose les lines, j'en fais une vidéo. Attention, les rimes sortent en musicalité. Comme tes cas, moi c'est l'intrigue bien dévoré. Si les 6 rappeurs durs, ils vont voir qui on est. Ta merde n'est pas dure, plus d'eau de qui passe dans le nez. Un mec toujours droit qui mesure ses propos. Alerte à Total, les poucaves nous partent dans le dos. Si je prends mon micro, c'est pour dire au compte se taire. Je crois que la moquerie est un ange planétaire. Si je mets des lunettes, c'est pour y voir plus clair. Si je mets des lucarnes, c'est pour être titulaire. DK789, DK78 bluff, DK c'est la teuf, DK fume les keufs, DK789, DK78 bluff, DK c'est la teuf, DK fume les keufs. Eh ouais c'est ça, The Kerry, c'est père de Zem NHK. Eh ouais frérot change pas, reste comme tu es. On sent pas les couilles des haters, des rageux. On est avec toi poteau et continue tes coups de gueule. Ouais, tu nous fais rire comme ce putain de Steve Urkel. Allez salam frérot, et surtout ne change pas. Salut mon Cray, cette fois-ci je m'adresse à toi, à la personne qui m'a fait ce rap. Je tiens tout d'abord à te remercier, mille merci. Je trouve ça super trop, enfin je trouve ça trop bizarre de pas avoir écouté ce rap justement au jour de la sortie. Parce que ce qui peut se dire sur moi sur YouTube, que ce soit du bon côté, mauvais côté, parodie, humour noir, etc. Je suis au courant de tout ce qui se passe sur YouTube à propos de moi. Mais la tienne c'est trop bizarre que... qu'elle m'est pas parvenue aux oreilles. Si aujourd'hui elle m'est parvenue jusqu'aux oreilles, c'est bien sûr grâce à RST Jamel. C'est Jamel qui m'a justement fait écouter, enfin, qui m'a envoyé le lien, qui m'a dit tiens regarde. Et c'est à ce moment-là que j'ai écouté et j'en ai eu tout simplement des frissons. J'en ai eu des frissons parce que dans ce que tu dis, je me suis senti tout de suite concerné parce que tu dis quand même pas mal de vérités en ce qui concerne mon parcours YouTube. C'est vrai qu'on est parti de rien, avec pratiquement pas de matos. Mais aujourd'hui, on va pas, faut pas se voiler la face, faut dire ce qui est vrai. C'est bien de me défendre, etc. Mais quand tu regardes à l'heure actuelle, c'est même en ayant du matos, mon rod équipé, ma caméra qui est là-bas, là, tu vois. C'est, enfin, je veux dire, la qualité, enfin, le travail que je peux fournir sur YouTube ne change pas. C'est-à-dire que ce que j'ai pu fournir en 2011 jusqu'à l'heure actuelle, à l'heure où tu m'écoutes ou à l'heure où vous m'écoutez, ça n'a jamais changé. Parce que je suis jamais parti du principe. Enfin, je suis jamais parti du principe de me dire tiens, je vais évoluer. En fait,
Mon but sur YouTube n'est pas basé sur le montage. C'est ça qu'il faut comprendre. Et beaucoup de gens ont du mal à le comprendre. Je suis toujours, que ce soit dans ma vie privée, à l'école ou le hija, tu vois, je suis toujours parti du minimum. Je suis toujours resté au minimum. Je suis toujours resté dans la simplicité, tu vois, dans le travail simple. J'ai jamais voulu me prendre la tête dans le travail. Parce que, au plus profond de moi, je sais que si je pars loin dans le travail, si je sais que je dois, si je fais des efforts, je sais que ça va me faire un mal de crâne. J'aime pas réfléchir, tiens, comment je dois faire ci, comment je dois faire ça, comment je dois gérer ci. Ça me ferait un mal de crâne. Et me faire du mal à mon propre corps, je sais pas ce que je souhaite pour moi. Donc je pars dans la simplicité. Mais le fait de partir dans la simplicité, bah, ça me réussit quand même. On est parti de 0 abonné comme tout le monde, mais aujourd'hui on en a bientôt 500 000. Tu sais ce que j'ai, pas. Je te remercie aussi pour ces propos que tu as dit. Justement, en mettant les lunettes, c'est ce qui m'a permis justement de voir entre guillemets les envers du décor de YouTube. C'est vrai que depuis un certain temps, je vois les choses autrement sur YouTube parce que je connais beaucoup de choses sur YouTube dont malheureusement je pourrais pas citer parce que c'est des choses confidentielles, c'est des choses qui se disent pas. Et puis, comme tu dis, grâce à ces lunettes, grâce justement à cette vision des choses, j'ai pu voir l'envers du décor YouTube. Et le fait d'avoir vu l'envers du décor de YouTube, c'est ce qui m'a permis justement de me dire soit je recule de ce décor, ou soit je plonge ma tête dedans pour voir ce qui se passe. J'ai préféré justement plus plonger ma tête dedans, voir ce qui se passe, et m'y plonger dedans, et ainsi en profiter un maximum jusqu'à aujourd'hui. Alors je te parle d'avoir une nouvelle vie. Je te remercie infiniment de tes propos parce que s'il y a beaucoup de vérité, j'ai déjà eu du rap. Quand je parle de rap, je pense aussi à Kebo officiel. D'ailleurs, si tu écoutes ce message dédicace à toi, Rey. Mais voilà, je tiens vraiment à te remercier sincèrement. C'est vraiment des remerciements très sincères. Ça m'a touché, j'ai eu des frissons. Et puis voilà. Mille merci à toi et à tes coéquipiers qui t'ont accompagné pendant ce petit rap. Sache que ton rap m'a vraiment beaucoup touché. Comme tu le dis, on est parti de rien. On est parti de rien, on a compris un peu les vices, on a compris comment il fallait faire, on a compris un peu comment attirer un peu l'attention des gens, comment, etc., etc. Et puis voilà, j'estime que, enfin, tu vois, ton rap jusqu'à où il me ramène, bordel, putain, c'est un truc de ouf. À la voix, c'est juste un remerciement, merci pour ton rap, et ciao. Mais voilà, mon contenu, je fais en sorte d'attirer un maximum de gens, mais malgré que mon contenu soit pas à la hauteur et que même parfois il soit critiqué, tout ce que je sais au plus profond de moi, c'est que je leur fais pas de mal, je les tape pas, je les incite pas à la haine. Voilà, je fais ce que je sais faire de mieux. Et puis après, comme on dit, soit les gens ils suivent, soit les gens ils suivent hop, tu vois. Mais voilà quoi. J'espère évoluer, tu vois. Enfin, quand je dis évoluer, j'espère à l'avenir monter en grade, tu vois, c'est-à-dire le nombre d'abonnés que j'ai, bah, d'ici des mois ou d'ici des années, j'espère le doubler, le tripler. C'est le but. Et le plus dur, c'est de se dire, d'essayer de doubler, tripler, mais tout en essayant de proposer le même contenu. C'est-à-dire, tout en restant dans la même qualité. Et ça, crois-moi, c'est quelque chose de très dur. Mais pour l'instant, j'en suis arrivé, et crois-moi que c'est pas donné à tout le monde ce genre de situation. C'est soit les gens ils commencent de bas, tu vois, de 0 abonné, ils évoluent petit à petit, tu vois, qualité par qualité jusqu'à la 4K. Moi, je suis toujours resté à la 720p, 1080p maximum, sans montage, sans rien. Et pour l'instant, je suis l'un des seuls à gravir les échelons sans montage. Jusqu'à quand que ça va durer, ça, j'en sais rien, Dieu seul me le dira, seuls les abonnés aussi me le diront. Mais pour l'instant, les résultats sont là, on est satisfait. Et puis voilà. Peu importe les critiques. Des critiques, j'en ai tous les jours. J'en ai chaque jour, chaque vidéo, chaque 13h, chaque 18h, chaque 22h. Mais comprends une chose et comprenez une chose. Ça m'empêchera jamais, 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 jamais de publier une vidéo le lendemain. Ça m'empêchera jamais de publier une vidéo le lendemain et de faire comme si de rien n'était. Parce que la seule force que j'ai, et c'est tout ce que je possède en moi, c'est le mental. C'est la résistance. Sans cette résistance, sans ce mental, tu m'enlèves juste ces deux points, j'ai plus rien. Je suis au niveau zéro. Et grâce à ces deux points, je suis à un niveau un peu. Voilà quoi. C'est ce qui me permet
de résister à toutes ces pressions et d'être aujourd'hui encore là. Voilà. Je sais pas pourquoi je vous ai dit tout ça, mais j'avais besoin de vous le dire. À ce soir, 18h. À ce soir, 22h. Ciao, Weissiner.